Merci infiniment. On va terminer avec Jean-Claude Martinez qui doit être avec nous. Ah, peut-être le Est-ce son. que le son, voilà, réactiver le son. Monsieur Martinez, vous pouvez activer votre micro Et votre caméra, et votre caméra. s'il vous plaît. Est-ce que vous m'entendez là? Très On vous bien, entend. parfaitement. Parfait. Il n'y a plus qu'à. Activez la caméra aussi, comme ça Ah, pour la avoir caméra, la l'image caméra, la avec le caméra. son. J'espère qu'elle va. Écoutez, s'il n'y a pas la caméra, ce n'est pas grave. L'essentiel Si, c'est est. bon, c'est parfait. On vous voit. On vous écoute. Première séquence de 3 minutes pour vous D'abord, présenter je voudrais le programme. remercier Mohamed Ezouaki qui a dirigé ça avec beaucoup d'humanité, vous-même d'ailleurs, qui avez posé, à mon avis, la question clé, comment on fait, qu'est-ce qu'on fait, comment on fait, vous l'avez posé tout à l'heure à David, et puis surtout à Yabil Hadi, qui nous permet d'avoir le support. Alors moi, je dirais, avec le sourire, que je suis le candidat du MACZ. Disons, j'ai été, en raison des fonctions que j'ai occupées au cabinet du ministre intérieur pendant 10 ans auprès de Sa Majesté, etc., puisque je suis arrivé en 1976, la marche verte, ce coup de génie fantastique venait de se terminer. Et donc, bon, le Maroc n'a plus de secret pour moi, mais notre 9e circonscription, ce n'est pas que le Maroc, hein, notre 9e circonscription, c'est à Naba, en Algérie, c'est la Tunisie, etc. Et ça va jusqu'en Côte d'Ivoire. Je dirais qu'il y a des problèmes locaux, tous les candidats en ont parlé, l'éducation, la fiscalité, la santé, etc., etc. Mais il y a des problèmes nationaux. Alors moi, je dirais que je suis le candidat des solutions. En raison de l'expérience, moi j'étais 22 ans parlementaire. Et je suis candidat parce que j'ai peur et parce que j'ai une vision. J'ai peur de ce qui est en train d'arriver à cause de la sécheresse en Inde, à cause de la sécheresse sur le Maroc, en Côte d'Ivoire, entre le nord de la Côte d'Ivoire, le Burkina Faso, le Mali, il y a une sécheresse plus de 60% des terres. Nous allons à une situation du type 2008-2011 avec des révoltes sociales parce qu'il va y avoir une crise alimentaire extrêmement importante d'ici l'année prochaine. Voilà. Et donc là, il faut une solution, qui est ce que j'appelle une politique agricole méditerranéenne, parce que les candidats qui sont ici, à commencer par moi et nous tous, nous ne souffrirons pas de famine, ça c'est évident. Les Français de l'étranger arriveront à se débrouiller, il n'y a aucun problème, mais on va avoir des troubles sociaux parce qu'il va y avoir des problèmes. Même dans le Maroc, il y a eu cette politique fantastique intelligente, Sa Majesté. 102, ce que Aghnouch a fait avec le plan vert, même le Maroc va avoir un problème à cause de la guerre en Tunisie, la sécheresse en Inde, l'hyperinflation mondiale, etc. Donc là, il y a un problème d'urgence à traiter. Il y a un problème, parce que qui dit crise alimentaire dit troubles sociaux. Il y en a eu en 2008 sur le Sénégal, sur la Côte d'Ivoire, au Maroc, il y en a eu en 2011 et on va à la même chose. Il faut donc amener les solutions. Ça, c'est ma grande crainte. Ma grande vision, si j'ose dire, j'ai appris ça auprès de Sa Majesté à 102, qui a eu le culot de poser sa candidature à l'Union européenne et puis cette stratégie fantastique de la marche verte. Il faut penser grand. Et les problèmes fiscaux dont tous nos amis parlent, les problèmes économiques, David en parlait très bien, etc., tout cela doit se synthétiser par une communauté économique francophone. Si on ne va pas à une communauté économique francophone, l'équivalent de l'espace anglophone qui existe dans le monde, on va avoir des problèmes. Alors bien sûr, il y aura le sommet, la francophonie qui aura lieu à Djerba au mois de, je crois, au mois de novembre. Il y aura les jeux francophones qui auront lieu au mois d'août à Kinshasa. Mais il faut franchir le pas, avoir l'audace de créer une union économique francophone, une union universitaire, des universités intégrées, un passeport pour les doctorants, un passeport pour les doctorants, créer, que ce soit à Abidjan, à Dakar, à Casablanca, des instituts de formation Merci. d'établissement. On est J'ai dit un déjà à peu trois trop. On est minutes. déjà à On plus de est 3 minutes. déjà à plus de 3 minutes. Merci, monsieur Martinez. Je voudrais juste faire une remarque, évidemment, par rapport au lapsus. Ce n'est pas la guerre en Tunisie. Je pense que vous vouliez dire la guerre en Ukraine. Oui, pardonnez-moi, Bien sûr, oui. je rassure nos amis Je tunisiens, il n'y a pas de guerre en Tunisie. vous Bon, donc, la deuxième séquence de 2 minutes, quelle thématique avez-vous choisi, M. Martinez?
Eh bien, écoutez, je l'ai abordé, je les ai choisies toutes, Allez-y. qui sont dans la communauté économique francophone. C'est une idée d'ailleurs de Jacques Attali en 2014, c'est une idée de Alliot Marie dans son dernier bouquin, Voir loin. Si vous voulez, pour la fiscalité, tout à l'heure, David le disait, et c'est la question que vous posez, il faut une méthode. Et moi, je vous le dis en député de 22 ans, la méthode, elle est simple. Ça s'appelle techniquement, pour les problèmes locaux, ça s'appelle un rapport d'information qu'on va obtenir en commission des finances. Moi, je le rédigerai moi-même, c'est pas un problème, voilà. Et une fois qu'on a ce rapport d'information sur les problèmes de la 9e circonscription, mais comme le dit David, des 11 autres circonscriptions, alors on a un instrument à la fois pour le cabinet de Monsieur le maire, à la fois pour le président Macron. Je donne, vous le répétez à personne, je donne une information, comment parler à l'oreille du président Macron. Le président Macron dîne une fois par semaine à un restaurant, tout seul avec son épouse, à un restaurant La Rotonde. Et il suffit d'aller dîner à La Rotonde et de voir le patron Girard, et vous pouvez parler à l'oreille du président Macron. Alors, je le dis sur un mode ironique, comme m'a appris Sa Majesté à 102, mais quand vous avez un rapport d'information qui liste l'ensemble des problèmes et que vous amenez les solutions, alors là, vous avez un document de base à distribuer, voyez. Donc, c'est bien tout ce que racontent nos collègues qui enfoncent des portes ouvertes en partie. Le problème, c'est d'amener des solutions. Voilà. Il faut une PAM, une politique agricole méditerranéenne, une communauté économique francophone. Si on a ça, on aura franchi un grand pas. Voilà, encore une fois, merci, je ne vais pas abuser. Voilà. J'étais court. Merci, Monsieur Martinez. La question, avant que nous concluions cet événement, on a constaté à la lecture des différents documents que vous avez pu adresser, que vous parlez beaucoup de sécurité dans votre communication, sécurité internationale, sécurité économique, sécurité alimentaire. La question est la suivante. Face à la dégradation sécuritaire au Sahel, en Afrique de l'Ouest en particulier, il y a une montée du sentiment anti-français. Quelles bien sont sûr. Les actions que vous préconisez au gouvernement et que et vous défendiez entendu. À l'Assemblée nationale pour assurer la sécurité des Français et nos intérêts nationaux? Mais écoutez, nos intérêts nationaux en face du rouleau compresseur de la zone anglophone, quand la Chine est là, quand la Turquie est là, quand maintenant nos amis israéliens sont là aussi avec leur usine de drones, etc. Si nous ne faisons pas la communauté économique, diplomatique, universitaire, francophone, on nous mangera la laine sur le dos. Voilà. Il faut franchir maintenant, il faut avoir une audace du niveau de Sa Majesté à 102, il faut franchir le cap. La francophonie, c'est sympathique, mais il faut aller beaucoup plus loin. Une union économique, diplomatique, universitaire, francophone. Là, on assurera de la sécurité économique, la position de la France, le rayonnement de la France. Si on ne fait pas ça, eh bien, chers amis, à la prochaine élection, dans 5 ans, eh bien, on reparlera toujours des mêmes problèmes et on reparlera de l'effacement progressif de notre pays parce qu'on n'aura pas pris la bonne mesure. Voilà. Monsieur Martinez, juste avant de... Pour le groupe auquel j'adhérerai, surtout pas de groupe, surtout pas de groupe. Le groupe des non-inscrits et le groupe transversal qu'on appelle le groupe des députés compétents, c'est même pas 10% des députés dans toutes les assemblées où vous siégez. Parfait. Bah, écoutez, merci infiniment. Merci, on aura remarqué que vous êtes un grand admirateur du défunt roi Hassan II, du roi du Maroc. Évidemment, c'était un géant, évidemment, évidemment. Merci à vous. Et inconditionnel.